Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vous montre quelques petites nouveautés de la boutique. Des petites choses en couleur argentée et ensuite toute une collection de dentelles que j'ai ramenée d'une jolie mercerie, Loisirs et Mercerie à Èvre-sur-Indre. Donc, je vous montre ces jolies dentelles. Alors, celle-ci est complètement en coton. Alors, il faudrait que je mette un papier blanc dessous. Si je mets ces pochettes, est-ce que ça peut le faire? Alors là, ce sont des pochettes de chez Marianne Design. Il y en a 5 dans le paquet. Vous pouvez mettre vos dies ou vos tampons à l'intérieur. Il y a une pression, comme les pochettes pour ranger les papiers en 30-30. Mais vous pouvez également ranger vos restes de découpe à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, la dentelle. Donc, celle-ci. Donc, la dentelle large. Tout en coton. Ensuite, j'ai rentré une petite dentelle fine noire. Donc elles sont en boutique maintenant. Alors, hop là. Celles-ci. Donc elles sont vendues au mètre. Toutes jolies. Elle fait pratiquement 1,5 cm de large. Ensuite, vous avez. Où est-elle? Celle-ci qui est différente. Vous voyez, elle fait comme des petites gouttes. Alors sur les photos, bon, j'ai pas réussi à faire de super belles photos, ça rend pas très bien. Donc déjà en vidéo, vous voyez, c'est très sympa. Et en vrai, c'est encore mieux. Donc ça, pareil, à peu près 1,5 cm. Ensuite, on a de la petite dentelle blanche fine parce que j'ai rentré de la dentelle. Et voilà, batterie et. Donc ici vous avez la dentelle fine blanche parce que j'avais reçu celle-ci un petit peu plus large, mais vous m'aviez demandé aussi de la plus fine. Donc comme celle-ci elle fait 3,5 il me semble, celle-ci fait presque 2 cm. Donc vous avez celle-ci et ensuite une autre en blanc, pas le même modèle. C'est ce modèle-ci, à peu près pareil, presque 2 cm celui-ci de large. Ensuite, il y en a une qui est super sympa aussi. Elle est dans les tons beige avec de la broderie couleur or. Regardez comme elle est jolie. Alors ça, elle est plus jolie pareil en vrai que sur la photo. Et ensuite, de la dentelle. Donc là, elle a des dentelles qui sont anciennes, quoi. C'est vraiment super joli. Et celle-ci, par exemple, elle est bleue. Elle est fabriquée en France, hein. Donc elle est bleue, bleu marine. Et voilà. Donc j'ai récupéré tout ce qui lui restait de la plaquette. Donc après, il n'y en aura plus, bien sûr. Ah, qu'est-ce que j'ai pris de sympa aussi? J'ai pris des petites étiquettes. Alors ça, j'aime bien parce qu'elles sont brodées. Et du coup, il y a marqué fait avec amour et beaucoup de patience avec 3 petits cœurs de suspension. Et un petit cœur en haut. Alors je me suis dit que c'était pas mal pour mettre à l'intérieur de vos albums. Je vous en dis pas plus pour l'album de ce mois-ci et du mois prochain. Voilà, qui sera travaillé dans les tons de gris. Donc j'ai dans les tons de gris ces magnifiques pistils gris bleu et des gris comme ceci. Vous avez toujours le gel à assortir Dovecraft qui est pailleté gris. Pour les feuilles de chez Prima, vous pouvez les détacher pour en avoir plusieurs. Donc ça, je tenais à le dire. J'ai reçu aussi de chez Dovecraft des petits pompons blancs grisés avec des petits poils gris métallisés, argentés, et des étoiles, des sequins d'étoiles. Argenté également, c'est pareil, c'est la même marque. Et chez Crafter Compagnon, donc ces 3 rubans. Alors voilà la photo, très jolie, mais c'est difficile à voir à quoi ça ressemble. Donc voilà les pailletés en petit et un grand pailleté blanc. Donc ça fait comme un velours en dessous et des paillettes qui sont hologrammes, vous voyez, un petit peu rose, blanche, rose. Voilà, pour suivant comment on les regarde, ils ont un petit reflet hologramme. Et l'argenté blanc qui est fin, donc c'est intéressant aussi pour faire de la carterie ou autre. Donc voilà les petites baies blanches aussi. Donc voilà pour ces petites nouveautés du jour.
Surtout les dentelles, bon, vous savez, j'en ai pas énormément puisque je les prends au fur et à mesure des projets qu'on va réaliser et puis des besoins qu'on a ensemble à réaliser. On a également de la dorée comme ceci, qui est un peu, comment dire, elle a un petit peu de rigidité, elle a un petit peu, comment dire, on peut lui donner une rigidité. Donc voilà pour les dentelles du jour. Eh bien, je vous abandonne pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.